Bien, salut tout le monde, c'est Jungmin. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à être à la colle de la case, à voir plus de likes, de likes, je laisse accès à vous pour vous donner tous les potes, on se retrouve pour faire des lasers. Du coup, voilà, c'est parti. Du coup, il faudra mettre 3 leviers comme ça, voilà, creuser comme ça, voilà. Voilà. Mettre, alors, des rails comme ça, alors. Hop, des rails de propulsion, du coup, voilà. Là vous mettez comme ça et là vous mettez les wagons, voilà, cool. Pour les avoir, c'est très simple, vous mettez dans le chat, vous mettez slash give votre nom ou arrobas s après commande bloc, voilà, commande bloc avec un tiroir du bas ici, et là vous mettez tiroir du bas minecart, du coup voilà, c'est quand même là, là c'est votre nom ici, hein. Votre nom ici, voilà, du coup voilà. Du coup, comme vous voulez, j'en ai deux. Bon, si on va le jeter. Du coup, pour ça, alors, ça sera très simple. Je vais mettre un 0 tick. Là, vous mettez. Là, vous mettez. Execute. Voilà. Arrobas. Non, pardon les gars, je me trompe. Du coup c'est particle, particle, si vous voulez. Alors, du coup là, voilà, là vous mettez Minecraft de type 1, redstone. Voilà, warrior, voilà. Après là, vous mettez tir du bas, et là vous mettez dust, voilà, comme ça, tirer du bas, particle, voilà, hop. Ensuite, là vous mettez espace vague, et là vous mettez un titre à la vague du milieu, du coup voilà, ça doit donner ça normalement, la commande, du coup voilà, ça donne ça, du coup voilà, du coup là vous faites, si vous êtes plusieurs, bah vous mettez, là vous faites ça, hein. Vous mettez à chaque fois, du coup là. Ah c'est vrai, c'est ça. Du coup, à chaque fois, vous mettez à chaque fois, du coup, si vous voulez. Après, vous pouvez faire copier-coller, mais pour la vidéo, je fais comme ça. Du coup, voilà. Voilà, hop. Voilà. En gros, normalement, là, il y a des particules, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est pas normal. Ouais, du coup, attendez. Ou c'est moi qui a fait un truc mal, ou ça c'est moi, en fait. Non, c'est juste moi. C'est juste ça, c'est... Ça fait rien. C'est juste ça. Bon, bah moi pour la vidéo, normalement c'est comme ça, mais pour la vidéo, j'en veux les minecart et j'en mets des commandes blocs à la place, du coup voilà. On se retrouve à tout de suite, du coup, c'est parti. Du coup, les gars, du coup, normalement ça vous donne ça, mais normalement, c'est juste parce que moi, en gros, ça fait ça, mais sinon c'est pas ça, genre, normalement ça doit pas ressembler à ça. Normalement, genre, il y a tout de plein de particules. Regarde tout plein de particules sur genre ça fait, je crois il y a plein de particules de, sur les trucs, et moi ça fait ça, du coup vu que je mets des commandes blocs, du coup là, là vous faites la décode des trucs, hein. Du coup là. Après ensuite c'est pas terminé, ensuite on fait hop, là vous mettez un bloc qui peut pas tomber, du coup là
pour l'étape en dessous, on a terminé. Du coup, maintenant, là, vous cachez en dessous les combo blocs ou soit vous les mettez comme ça, combo quoi. Pour la vidéo, quoi. Alors, du coup, pour le premier truc, du coup, ça sera un combo bloc répétition. Là, sera slash execute. Voilà. Ça sera en base. Game. Game. Est égal laser, voilà. Laser, voilà. Après on saute effect orbes. Bon, normalement c'est arc basse A, mais si vous voulez que ça le fait aussi aux entités, vous mettez arc basse E. Donc, du coup, là. Après, là, vous mettez. Là, vous mettez. R est égal 0.4. Voilà. Après, vous mettez une virgule. Là, vous mettez name. Est égal. Là, vous mettez un point d'exclamation. Laser, voilà, vous mettez, hop, du coup là vous mettez instant damage, instant damage, damage, voilà, damage, voilà, après vous mettez 1, 4 trous, normalement, et si vous voulez sorti mort, là vous mettez 5, là vous mettez 255. Alors, du coup, un effet de force de 255 à 5, c'est pendant 5 secondes. Du coup, voilà. Après, là, voilà. Et un dernier, du coup, voilà, là c'est bon. Alors, si je mets un mob, alors, si je mets un. Ah non, c'est pas bon. Alors, voilà. Là, vous faites slash. Effect. Arbas E s'appelle Nemetica qui s'appelle en gros laser. Bah, ça fait un invisibility. Voilà, invisibility. Alors vous mettez en gros. Et trop, c'est pour pas qu'on voit les particules, je précise. Du coup, là, c'est presque terminé. Et là, si vous voulez, vous pouvez nous remettre des coffres, comme ça moi vous récupérez des loot si c'est une tour en mob. Ce sera un peu, c'est un peu du jeu, mais bon. Pardon. Du coup là vous mettez slash semaine. Là vous mettez armor stand. Donc voilà, armor stand. Voilà. Là vous mettez très important pour mettre le nom, vous mettez le nom que vous voulez. Du coup, moi c'est laser, vu que j'ai mis dans le combo laser, et là hop, ça voilà. Du coup, normalement ils sont là, ouais, un truc pas normal. Bon, hop, du coup, là vous les mettez. Voilà, hop. Voilà. Ouais, normalement, on va dire qu'ils sont activés. Ah ouais, parce que. Ouais, ouais. Du coup, là, vous voyez, ils sont invisibles grâce au combo bloc là. Et là, par exemple, si je prends un zombie noyé et que je mets. Voilà, que je mets là. Voilà, hop. Je fais un petit truc comme ça. Normalement. Alors quand ils vont s'échapper, alors par exemple si je mets en game mode 0, en game mode 0, normalement il pourra un peu m'attaquer, mais là je peux pas, ouais il peut m'attaquer, non mais puis, je sais pas pourquoi ça marche pas, du coup moi je vais le faire. Voilà. Et du coup là je suis mort. Du coup,
j'espère que cette tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, à partager. Et à jouer avec le de nos créations. C'était Jungmin. Tchuss!